Ça vous arrive jamais, de temps en temps, de dormir, tu vois, mais de pas être sûr du nombre d'heures que t'as dormi. En règle générale, tu sais exactement le nombre d'heures que t'as dormi, quoi. Mais parfois, t'es dans un sommeil pas du tout profond, où t'arrêtes pas de faire des rêves, tu vois. Et mon dernier rêve était assez marrant. C'était un petit fils d'up qui me spawn qu'il est avec un... avec Jäger. Jäger 7 Pro League année 1, qui me mettait des one-tap avec une espèce de glitch un peu chelou. Et j'étais trop rageux. Voilà, je m'en rappelle, voilà, quand je me suis rendormi entre 6h et 8h, je crois. Enfin, je crois que j'ai dormi, quoi. Remember it. T'as déjà rêvé que t'as perdu la PL? Non, jamais, non. Jamais, non, jamais, en fait, hein. Jamais. La plupart du temps, c'est pas perdu, tu sais, tu le perds quand t'avais envie de le gagner, quoi. La plupart du temps, en fait, quand on l'a pas gagné les autres années ou les autres saisons, c'est juste parce que c'est par altruisme. On la donne aux autres, en fait, hein. Surtout à mon grand âge, quoi. C'était important de laisser la jeunesse gagner. On n'allait pas tout rafler non plus, quoi. Autrement, il y aurait plus d'e-sport sur Rainbow Six. Et ce serait dit, c'est toujours les mêmes qui gagnent, hein, tu vois ce que je veux dire. Enfin non, tu vois pas, mais moi je vois. Pour manger des pâtes thaï, arrêtez, en fait, je sais, mais vous avez l'air ridicule quand vous dites pâtes thaï. En fait, je sais que c'est pas des pâtes thaï, c'est des pads thaï, en fait. Voilà, quoi, je vous apprends un truc. Regardez sur Internet, vous verrez comment c'est créé, en fait. Mais c'est juste pour vous, hein. Si vous voulez vous la raconter là-dessus ou me poser la question, parce que j'en mange tout le temps, mais je vous le dis juste, ce ne sont pas des pâtes thaï, tu vois. Ils se sont pas dit, oh, il y a des pâtes thaï, des pâtes françaises, des pâtes suisses, tu vois ce que je veux dire. C'est un plat qui s'appelle pad thaï. Mais du coup, tout le monde le prononce pad thaï. Voilà. C'est bon ou pas? Ok. Je ne sais pas le nombre de fois que j'ai mangé des pâtes thaï. Je vous ai déjà dit, hein, ça, c'est le plat. Je pourrais le manger tous les jours, matin, midi et soir, jusqu'à la fin de mes jours. J'en aurais rien à faire. Franchement, je les mange. J'adore ça. Moi, j'ai aucun problème à manger toujours la même chose. Ad vitam aeternam. Franchement, ça me dérange pas du tout, quoi. Un monstre, envoyez plein de gens. I know one is pretty red, there's a bullet hole on the right wall. He's a top, on the ping. Oh yeah, I'm going to kill him, don't worry. The diffuser is now secure. Visuals in bedroom. In bedroom? That's where I saw him running. You must recover the diffuser. Cuckoo! He's in bedroom, push with me. Nice, you're a monster. Putain, yeah. je le hold pendant 3 heures, mais je lui mets pas la tête. The one in the... moto. Let's go, plan, go, push. Il est où lui? Oh putain! Mais putain de son de merde que j'entends là, mec, c'est impossible! Tu vois ça, ça me vénère! Je suis sûr à 1000% qu'il me contourne, le mec! En plus, dans ma tête, il y avait genre zéro possibilité qu'il y ait quelqu'un derrière! Puisque de toute façon, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de rota et tout! Et au moment où j'entends ce son, le son est tellement précis, tellement propre, que ça me fait douter de la possibilité que le maestro puisse être à autre part que derrière le bar, quoi! Et je me dis, c'est pas possible! Il rotate, il est à la trappe, en fait! Ça, c'est easy win, quoi! Il plante, je coiffe l'objectif, terminé, le round est fini! Careful with you. Nani? Yeah, it's dead. Je sais pas s'il y a une clé morte, je vois rien. Maverick is dead. C'est vraiment bien, Bondi. Je sais pas pourquoi je le prends pas plus souvent. Oh putain, non, j'ai pas. C'est vraiment nul en plus. He's still at the top of the T1 here, on ping. He's very low HP in front of the stock. He should be very low. You can burn in that right now. I'm pretty sure you're gonna burn in. I told you. Hop là, toi. Oh putain! Tu dois être dans le frigo du coup. Ou alors je l'ai mis trop à gauche. Vas-y, je suis spotted, je sais, mais viens. Viens, loulou. Viens te battre. 30 balles, ça va être chaud. He's still kitchen, bro. He's kitchen. Yep,
Let's go. Vas-y, bah t'as raison, t'as qu'à prendre bandit, mon gars. Je go castle. Ouais, mais mec, mais d'où est-ce que tu vas prendre le joueur du mec qui carry, honnêtement? Mais jamais je fais ça, moi. Somebody. Let's go, we're gonna win. Can we just stop with the useless operators? Like Warden and Fuse, for example? It's fucking... we're just playing the game. Yeah, yeah, okay. It's... I'm just... okay. Yeah, yeah. Alright, okay, lose, okay, got it, got it. On devrait prendre castle, Kim dit. Non, non, it's okay. Le mec maintenant va me demander de prendre castle et fait du sarcasme sur le fait que j'ai pris Capcan alors qu'il était le premier. Mais. On est d'accord ou pas? Ou alors je suis d'accord avec moi-même, c'est tout. Non mais on est d'accord. Non mais tu te fous de ma gueule. Ah mais on a zéro dispositif sur le site. Ok, on s'arrache les amis. On va les défendre là-bas du coup. On n'a pas renforcé. Ah bah tu vas pas banditrix. Ouais. Bon bah c'est mort alors les amis du coup. Va falloir se sortir les doigts du pion. Hein. Sludge at Red Stairs. Really? Sludge probably ran to bar though. Be advised, Op 4 has located a bomb. Il est mort derrière moi. L'autre. Et il me dit Sledge Red Stairs avec 17 secondes de lag du cerveau. I just need to hear. Le brain delay quoi. Le mec il a un input lag sérieusement. Il a mis 15 secondes à me répondre sérieusement. Pourquoi tu t'essaies de décaler toi par là-bas? Ok, bon, visiblement, pas bien fait. Il est où? Il est là-bas? Oh, in the toilet. Ma préférence. Vas-y, ouvre la fenêtre, hein. Y'a un mec là-bas, non? Bon, vas-y, ouvre ta fenêtre, toi. Surprise, motherfucker. Je suis là. Ouvre. Surprise, motherfucker. What? Surprise, motherfucker. Lui, il va avoir cette ligne-là, et je peux pas l'avoir d'ici, regardez. Vous êtes prêts? Je fais semblant de barrer, je reviens. Et puis là. Ah, il y en a en bas. Non, c'est en haut. Il est juste à la porte, en fait. Mais le connard le coronavirus, il faut... C'est chiant, hein, franchement, parce que confinement et tout, quoi. C'est difficile, ces nouvelles Terms of Service sur Twitch. Hein. Ah, c'est pas évident. Parfois, t'as quand même envie de balancer une petite... hein? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ok, toi t'es mort, toi t'es mort. Toi t'as la petite ligne à gauche là. Faut que j'ouvre pour eux, parce qu'ils sont un peu cons. Can you open here? One in the connector. Go try to plant, bro. Be careful on your right when you go in. You located a bomb. In front of you. 5 seconds. Mais mec, va aider ton pote! Va aider ton pote! On a tout fait pour toi! Coiffe l'objectif! Il s'était bien placé! Coiffe l'objectif! Coiffe l'objectif! Tu passes derrière! J'adore ce jeu, on passe un bon moment. Ok, petit spawn kill déjà. Petit spawn kill, 180, ici, là, dans ce trou-là. Voilà, parfait. Et là, c'est une tête. C'est une tête que je vais me prendre, en fait. Je vais me prendre une grosse tête dans ma tête parce que j'ai pas fait ça et j'avais aucune idée de s'il y avait du drone ou pas. Ok, ça push, visiblement. H. Tire encore, toi. Je tue le mec sur la montagne. Le mec a forcément pris une ligne sur le mec qui a fait du bruit ici. Lui, il va se faire défoncer. Elle, il push. Lui, il est con. Mais lui, il a la ligne à gauche, en fait. Donc je sors. Il peut être que à gauche, lui. Il est pas à gauche. Si, il est à gauche. Je suis trop un monstre, mec. Bien sûr qu'il est à gauche, quoi. Heureusement qu'il est... En revanche, heureusement qu'il a... Zéro réflexe. Il est à gauche, il est à gauche. Il peut être qu'à gauche, il peut être que là. Il n'y a pas de son, c'est logique. Il prend la ligne sur le truc qui vient de se passer. Il vient de regarder le mec qui était au niveau du main. Forcément, il était au niveau de cet endroit-là. En vrai, j'avais complètement zappé que... Le temps d'y aller, quoi, c'est mort, en fait. Hein. Je pense que je suis sauvé par le poteau, en fait.
Heureusement que je suis un vrai poteau. Hein. Ça, c'est une revenge. Je laisse pas mourir les potes, quoi. Seriously, toi? Vas-y, reviens. Non, oh, sur ma gauche. Bon, il a pas la ligne, heureusement. Mais bon, sur toi, il est là, quoi. Mais t'es con ou quoi? Enfin, un meuf, bien sûr qu'il y a un mec 90. Ouf, bien joué. Oh, je suis nul à Yesh, sérieux, franchement. Hello there. Arriverez. Je sais que vous avez des questions extrêmement existentielles, comme... Et pourquoi tu mets un laver ? Je sais. Avec une musique comme ça, je pourrais dire n'importe quoi. N'importe quoi ! D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pas génial ? Là, sérieusement, on dirait un témoignage sur M6. Ça fait 8 ans maintenant que je me pose la question, hein, tout simplement, de si je vais mettre des lasers ou pas. J'arrive plus à vivre, j'arrive plus à dormir, je dors plus, je mange plus, j'y arrive plus. Ma femme m'a quitté, hein, parce que la question existentielle de ma vie, c'est de savoir si il faut mettre des lasers sur toutes les armes, compensateurs, flash hider. Je ne sais plus, ma vie est finie.